18h passées de 2 minutes dans ce studio Radio Juma FM, on est en live, on est en direct, on est dans Rap en Caliente, l'ultra et l'unique rendez-vous hip-hop de la maison Juma FM, toi-même tu sais, qui te parvient tous les soirs de samedi de 17h à 19h, 2 heures de vibration, de bonheur musical, 2 heures de show et de flow des invités et tout. Nous sommes dans la deuxième partie avec nos invités Amazayasa from Amatala. Bonsoir, bienvenue encore une fois dans Rap en Caliente. Rap en Caliente, rebonsoir. Je suis trop content d'être parmi vous. Au plaisir en tout cas. L'homme c'est Talon Pilon le maximum. Ouais ça, Rap Caliente, je vous salue. Ici ouais. C'est ma radio. On va dire que c'est ici tout avait démarré l'année passée. Ouais. À travers une émission. Depuis l'an 2021. Oui, 2022. Une année, il y a une année juste de cela. C'était la saison dernière. Ah, c'était la saison dernière, oui. Oui. Ça fait une année juste, oui. Ouais, l'arrivée de Doumbouya. Exactement, c'était ça. Oui. C'était ça. Et puis dans le mois même, j'étais là. Après, les choses ont déclenché. Beaucoup, voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu assez de choses sur toi. On aura tout le temps de discuter de cela, si tu permets. Et tu bon, je n'étais pas voyagé, hein, ce que vous pensez. Mais okay, on va tout dire. on va tout dire. Ici, c'est Juma. C'est Juma. C'est ma radio. Voilà, c'est Wonga Yafim, autrement dans la peine caliente. C'est ici qu'on va connaître qui ne veut pas que connaître, mais connaît, qui connaît. Toi-même, tu sais, et c'est parti. Allez, il est accompagné quand même par mon manager, il s'appelle Sidiki. À qui on va dire bonsoir aussi. Bonsoir, Juma, bonsoir, chérie. Voilà, bienvenue dans Rap en Caliente. Amazayasa qui n'est pas aussi seul, hein. Ouais, qui est accompagné. Je suis avec Madea, Oni Diabaté. Oni, bonsoir, bienvenue dans Rap en Caliente. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci. Alors, moi, pour commencer, je veux un truc. Le son que tu as sorti, le goût est mélangé. Je le veux sur un truc sec, sans rien, sans instru. Tu le poses live, comme ça, live comme okay. Ça, sans instrument, pur et dur. On va écouter comme ça, tranquille. Alintamé wa di lintandoni, wutofe di lintamayo, muntanabe. Nayabame wa di abadoni, wutofe di abamaya, munabe. Kumbi mumu kana, kumboi mumu kana, jaluzi makana. Barisuka nungbengbe numalangu bete nanara. Imakanama, namakanama, umakanamala. Masuka nungma mungbengbe. Le goût est mélangé, des fois c'est comme si, des fois c'est comme. C'est comme ça. Tranquille. On a le truc en version, je sais pas comment je vais appeler ça. Live, oui, mais sans aucun instrument et tout. Yeah. Ouais, et puis ça passe. Et puis est-ce que... Ouais, en version à cap, tranquille, voilà, yeah, c'est exactement cap, ça. En version à cap, tranquille et tout. Voilà, le son quand même, il est très accrochant. S'il manque un bout de son derrière, on va démarrer avec. J'adorerais qu'il nous amène dans le deuxième couplet. J'adore le couplet là-haut. Okay. On va aller avec un élément sonore. Okay, et puis okay. Moi, je vais m'orienter vers Talon Pilon le maximum. Est-ce que c'est ces instruments ça? Les autres instruments, si tu veux, s'il manque un. Les autres instruments de l'artiste Amaza. C'est ça? Ok, d'accord. On y va, tranquille, c'est bon, non? Yeah. Allez, on est tout à toi. On est dans Rap en Caliente. On revient dans Rap en Caliente. Question de kicker pour vous. Toujours dans la langue. Écoute ça. Tranquille. Amaza Safrom Amatala. Écoute ça. Tana mori walungana de bombo geli kimu somate faina iramenge bombo boom binya fure maita resinge kinde bombo sagatala mane kapot di medina mana bombo ha wobala ka bombo bara menge soto sigi sota soronde khakhili ra kote soto gine di medimu na donki mame mana enganto yo moria dia tintan khline soto donto di menu onte imba khakhili ra slipuso siri rola suete takane tun bing binso di mena bing binto khakhile lu poposo yara goro riseto nanan khili ma fon fento bizarma o aira mon vengri lu ralo bazeng. Fébini folle kono nyaruni fofin rawali mudor signa lema allo fond de temps boom rap khle misali ma segna lourd allo moroni na meri fatema kanya malo merengi talina loyi yeli daroyi khbar muyi sigra korseri ya korseri ntengoro ki amorseri nsora pri perseri musori
Adé Moussori. T'as capté ou pas? Sei geli moudoro matema Mounou mané madidi Mounou madine Mon rabi sa mamane Se se mbara fer la mnira libi Fou mone jitak line Yigi te gemba kim fengi Tigi sege Senara ronye Saifra La mara deifra Kerem firin sara mara Mfarnye nga sobe Fala se kanyi nou lasi Se tari na barse Pe anansi Nso rap kwin perse Haji dunye riska Lo aéroport piste Un qui coré, un qui bord à l'orincé. Et ne m'a rien fait, ne rien fa faire à sodé, sade, quel idée, connoi mon agnonde. Midé, ramène ou n'y a ma tene, n'y a n'y a n'y a freestyle, ma m'y a n'y a n'y a woy woy. Tout tout geni, baké ma na micro, n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a rap, colon tari, n'a fala ma non, non. Yeria, Saran, Yeria, Saran, Yeria, Saran, Yeria, Saran, hey, Kourigame, Yeria. Saran. Ok. Bada, Kelly Mendy, Queen Awo, Bonnera, Fango, Matanke, Sigi Samambari, Wimbaran, Kalamun, Toroma, Abeki, Agoro, Kimudari, Femutana, Nere, Malura, Lodi. Hey! Que dire de plus? L'excellentissime Amazayasa from Amatala, toi-même, tu sais, il est à la maison. Dans Rap N Caliente, il fait son show, il fait son live. On est en direct, on a live également sur la page de Dioma FM, Dioma Media. Voilà, tous nos différents canaux de com. T'as aimé, t'as kiffé, partage ça tranquille. Passe le message à ton entourage. Amazaya, c'est à la maison. Talon Pilon est avec nous. Talon. Toi-même, tu sais. Hey, on dit quoi? On enchaîne. On enchaîne. Fidigat, hey. Mouyata Guy Pogbi, ça c'est galère roun, ça c'est partenaire Echili, ça c'est Ndeibo, dis-moi dis so c'est hein. Amato iso fe bode, aliki force, sam finance, marabole ra fiancé, n'tane ma toroma in bonbon, Echili bra kase. Boum! Meme keringa deba beye na ma fanta basse. Hey! Torek bo womini yera mougou fanga luga, hege na ma so fagera kinali, enu mou makuya, enu bien, mounu dula mounu die, enu luga mounu ti, enu luga mounu wee kuni bula oh. Yout rachli, fom faga. En tout cas, iti mouti ma problème fo na fala nered la sira mou gori mou monou mou mbore tonne mounou mou mbore raso di gempi amene nyene finkari nou fine bingwa nou lansine e o tanya rui bomez ke tanyati isaline moura gine di me sota fe problème hein e na louira e problème problème e mon na louira e balo fe problème problème ke abiri na langri ok sode na moussa de sagata kana moussa ya siba fe ma sima nanto la si fe ma sagata la to toni no ma biriki kem fe doga rumma ala komone na masama nsu sa yati nkari nyati maton yaton kobe toru bimu mor natan fuki douli bor ala kamisuri nenan toru nde mun toru nkole ne rema nenan bor muna ba hurtu hurtu son kwe na rakata be afidi gyal Naga yeng yeng, wonga ba yeng yeng, tout le monde yeng yeng, wonga dora yeng yeng, allez moué yeng yeng, allez nga mena yeng yeng, allez sasoui yeng yeng, nous naga mena yeng yeng, nous na balango yeng yeng, Afidika in your mind. Mubara sigi doro han bata konto fili nyanga yima sebe kilima ok han devoir raba ma re mu frère monsieur tire classe qui tandori crayon ni kimfe he wa fala yebe ha ena me tante ha rasali tanna buzz tonge muna ma walide mu tan farine mu blende amene chat de combat muna ragoro oh hey t'as capté ou pas? L'homme ça mazé à ça. Il est à la maison. Hey, il fait son show. Man, simple. N'tan fa, quoi c'est la eh rouni ding. N'yan gayi ma sebe dari ma tellement kagoron rouni ki nou wa manen radun du kona fala rono. Dita ra problème, sebe mou piri mfate, sebe li. Binin tingre problème ra yalagi, bougouji. Hey, moutan mali ma di ye mou wa ma mou mali fe. Se tare mali de, tore donde na. Moutan wa manara louber dari, moutan mou son samare al koranto. Shoki, kine di me marili ma kasali, na vibe se goro ma kasali. Asiyo mou rouma miri yo na mira fama. Ibari bore ne fema kone taro miri yama miri nere yati fema nene yati mwe kanama ake pull up wo wama nenga turn up nene sigisa wobe wo nyama fala mambe pull up nare nga dantung enera follow Mr. Yase awa pull up 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 awa mubara fala pull up. Hey, 18h passé de 12 minutes, on est dans le show live radio de Rap N Caliente avec l'homme qu'on appelle Amazayasa. Bien sûr, toi-même, tu sais, ça se passe dans
dans ton émission, dans voilà quoi, ton espace hip-hop de la maison Dioma FM. On a kiffé, on a aimé ces choses, c'est énorme. C'est tranchant, c'est de la tuerie. J'ai entendu des trucs ici en langue soussou, moi je pourrais pas répéter ça. Tu peux pas. Pas. Mais après, ce qui est impressionnant, c'est de savoir que quand tu l'écoutes sur ces deux instruments, ouais. Tu peux pas imaginer que c'est lui qui nous a sorti le goût est mélangé. Tu vois, oui. C'est ce côté versatile et puis ce côté éclectique de l'artiste nous aimons de plusieurs plus. Genres à voilà, fois, mais il n'est pas seul. Il va pas enflammer seul ce studio. Il y a un autre invité aussi. On va s'orienter vers lui. L'homme c'est Talon P dans le maximum. Que tu n'as pas aimé. J'ai aimé. J'ai fort aimé. Alors, tu as gros sur le cœur. Tu as des déballages à me faire. C'est pas. On va commencer par des notes de guitare. On va aller d'abord sur des échanges. On va aller sur les échanges après. On va terminer sur. C'est pour ça, non? Oui. Let's go. Alors, dis donc, monitore page Facebook, ma. Il fait une affaire, explique vive et affaire de follow fait rapage, ma signe, nan signe tout. Ni roue, mais nan signe, comment dire ça? Explication fidèle, nan signe, ma quoi sur ta page. Et rapage à monnaie, et rapage monnaie, là. Maintenant, nan an ira, anakaï moi, ma. À sauf à la bille, en fait. Donc, mais vraiment, tout récemment, on a vu que Ethan Guadamaga, ce n'est plus ça. Oui. N'a pas jamais attendu là. Maintenant, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cela? Juste parce qu'on t'a vu parler de lui tout récemment. C'est un mot seulement. Et puis, l'acte a été passé l'année-là. Mm-hmm. Et l'acte a été fait dans ce moment-là. Et l'acte a été. Voyez, non. Donc, aujourd'hui, c'est le système de cet acte que tu n'as pas aimé. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Donc, moi, j'étais en ville, je l'avais la voiture. Comme c'était la première fois, je le voyais dans la voiture, tout. Mm-hmm. Je l'avais sa voiture, il me payait. D'accord. 40 000, 50 000. Vous voyez? Oui. Mais il n'y avait rien de temps entre nous. Vous voyez, c'était à cause de son éducation. J'étais là pour l'aider. Ok. Et maintenant, j'étais là pour l'aider. Il m'a promis les choses. Oui. Maintenant, je ne vois pas les choses. C'était quoi ces choses-là? Voilà, c'était quoi ces promesses? Bon, c'était sa première promesse. Il devrait me prendre la maison. Ok. Parce que j'ai souffri avec une femme. Oui. Je me suis perdu de lui, ça fait 10 ans. Okay. 10 ans, 11 ans, après j'ai fait le vidéo, le grève qui a été fait avant que Doumbouya vienne. Laisser la situation des grèves, sinon le 8 pont va se déplacer, il va revenir le 9 pont. Okay. Vous voyez, j'ai parlé ça là-bas, les gens ont commencé, j'ai suivi Silly comme un comédien. Okay. Et je suis comédien parce que je m'habille en lavant, la voiture, tout ça. Okay. Vous voyez, donc j'étais là pour l'aider. Ce qu'il m'a dit, donc j'étais chez lui. Comme l'habitude, je faisais ma tontine à lavage. Okay. À chaque mois, j'achetais le riz pour ma mère. 600 000 en cash, je dois donner. Mais dans le succès encore, je vois ça, ça ne passe pas. Il m'a flashé, on a gagné 10 millions. C'est moi qui a gagné, c'est pas lui qui a gagné. Où? 10 millions où? 10 millions. Où? Madi. C'est Madi qui m'a vu ça. Le joueur. Oui. Le gars là, il va être béni. Ok. Parce qu'il a donné les 10 millions tout à qui? Toutes les choses là devraient passer dans la maison. Moi, je voulais ça dévale comme ça. Vous voyez, mais tout, vous avez vu le voyage de son voyage. Mais tu es sûr que les 10 millions, le gars avait donné ça? Le 10 millions, on a vu, c'est nous qui est parti, nous deux, on a pris. Ah, ok, d'accord. On a pris ça, après on est venu. C'est dans ça, on a fait le vidéo là à Koya. On est parti saluer ma maman. Ok. Après ça, les choses sont bloquées. Mais d'accord. Moi, je ne connais pas là comment c'était le déplacement. Si nous déplaçait de 3 millions ou de 2 millions ou 1 million 500, l'abbé ou quoi, partout on est parti, je ne comprends pas ça. Donc tes déplacements, tu ne savais pas s'il y avait de cachet derrière ou s'il n'y avait pas de cachet. Et puis ma page encore, comme c'était Big Soul premier qui a mis 5 euros à Facebook,
vous voyez, mm-hmm. publiez ça pour moi, pour que l'enfant voit. Mm-hmm. Talon Pilon, je l'aime très bien. Il n'a qu'à continuer au comédien. Ok. Il a compris. L'arrivée de Doumbouya, j'ai aimé. J'ai chanté Nayumbayou. Je me suis continué comme ça jusqu'à un an. Moi seul, je cartonnais à Conakry. Tout le monde me voyait, c'était moi seul. Mm. Avec mon premier manager. C'est quoi le nom du premier manager? Flo. D'accord. Maintenant, moi, le souci, on va recadrer vite fait. C'est sur... Tu as réagi tout récemment là. Tu as intervenu tout récemment là. Et voyager... J'avais rien okay. en poche. Ok, on a Guadamaga en ligne. Oui. Oui. Il est là. La régie l'a déjà appelé. Oui. On va l'écouter. Simon, si c'est bon, tu me dis. Il est là. Guadamaga, bonsoir. Bienvenue dans Rap en Caliente. Hello, salut. Bonsoir. Tu es dans l'émission Rap en Caliente. Rap en Caliente. Ok, d'accord. De Dioma Media. Je suis en train de dormir. Ah, sorry pour le dérangement. Ouais. Ouais, on t'a appelé parce que on a un invité qui est en train de faire un gros déballage sur toi par rapport à sa page, c'est Talon Pilon. Donc nous on a décidé d'être dans le sens d'équilibrer un peu les choses parce que sa version c'est sa version. Oui. Après si on t'entend pas aussi, ce sera autre chose. Donc on a envie de t'entendre. Il dit que tu as sa page et que tu ne veux pas lui restituer sa page. C'est quoi le souci? En fait, c'est sur ça. Aujourd'hui, il est venu passer dans l'émission. Ah, d'abord, merci pour l'appel et voilà, j'avais décidé de ne pas, de vraiment pas m'étaler sur ce sujet publiquement parce que okay. vous connaissez avec qui vous avez affaire, c'est pas quelqu'un qui, à qui on peut attribuer toutes les facultés. C'est quelque chose, il n'y avait pas l'amour. On va l'écouter d'abord, Talon Pilon, si tu te permets, on va l'écouter d'abord. Oui, vas-y Gorda. À qui on peut attribuer toutes les facultés normaux, donc... Oui. C'est en ce moment, il est manipulé par des gens que je ne connais pas, qui cherchent toujours, qui gèrent sa manière. Ok. Moi, je ne vais pas juger tout ce qu'il est en train de dire. S'il veut sa page, il connaît chez moi. Il connaît là où j'habite, il connaît mon numéro. Je ne suis pas le média, moi. Ok. Lui et moi, la dernière fois qu'il est venu, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le challenge, il est venu à la maison. Lui et moi, il n'y a pas d'altercation. Sa maman m'appelle tout le temps et ses parents, tout. Okay. C'est pas un problème que je vais régler sur les réseaux sociaux, moi. Donc, okay. Mais si il réclame quoi que ce soit, il connaît la maison. Je l'ai jamais fait, je l'ai jamais fermé ma porte devant lui. Okay. Donc, le petit truc sur les réseaux là, ça c'est pour juste chercher à revenir. C'est une manière pour lui de se faire parler de lui en fait. Okay. C'est ce qu'on l'a fait comprendre. Donc, je vous en prie, en le connaissant, je sais que c'est quelqu'un. Que je connais beaucoup, il faut pas trop prendre en argent comptant ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ok. Mais moi, la question. Parce que demain, il peut dire autre chose. Oui. Avant d'abord. Ce qui concerne la page. Oui. Voilà. J'ai reçu tout à l'heure, il y avait une autre page qui était avec son manager, son ancien manager, parce qu'il aime tellement changer. Parce que dès qu'il voit que tu lui mets la pression et que tu veux vraiment le cerner, oui. Il a envie de fuir. Il a envie de dire, il aime trop fuguer ensuite. Okay. Donc quand tu le poses là et tu le trouves pas là. D'accord. Donc c'est à travers tous ces petits détails là, moi j'ai décidé, tu vois, d'avancer sur ma carrière, de me concentrer sur moi. Okay. Et lui aussi, il a eu des nouveaux gars avec lesquels il travaille. Okay. Il est venu me présenter ses gars. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, c'est très bien. J'ai dit, bah écoute, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Le studio est là pour vous, tout est là pour vous. Okay. Donc ils sont allés après. Moi j'avais une page France Club Guadamaga. Qui avait déjà avancé quand j'ai reçu Talon. Il n'y avait pas de page, il n'y avait rien. J'ai juste modifié le nom de la page pour pouvoir un peu... Parce que sur sa page que j'avais créée, j'ai vu que j'avais du mal à assembler les gens dessus, tu vois. Donc j'ai modifié une de mes pages pour pouvoir l'attribuer ça, pour qu'il puisse se faire voir un peu. Okay. Donc j'ai vu que son gars qui est derrière lui, qui le pousse depuis la première vidéo, qui lui pousse à faire des choses, Talon, c'est quelqu'un de très facile à cerner. Quand tu donnes un peu d'argent, son gars, il peut te faire ce que tu veux. Okay.
Mais donc, moi, avant d'aller au succès, d'abord, j'ai mis trois enfants au monde, je ne suis pas un enfant. Talon, on va l'écouter. Pardon. Je suis âgé que toi. Talon, tu auras le temps tout de suite de parler, Talon. Je suis âgé que toi. Talon, on va se calmer. On va couper le micro de Talon pour le moment. Oui, Gwada, après, tu auras le temps de parler, Talon. Tu auras le temps de parler. Oui. Il se dit qu'il a trois ans. Il a un seul enfant, il a une seule femme. Sa femme est madame de la vie. On se connaît très bien. Gwada. Tout ça, c'est pas Gwada, essentiel. Gwada. Moi, la question que j'ai envie de poser tout à l'heure là. Dans ton intervention, on a compris que qu'à aucun moment tu t'es opposé à la restitution de sa passe. C'est ça, c'est ce qu'on a compris. Moi, je ne m'opposerai jamais à ça, mais pourquoi? Ok, parce que tu dis que venir à la maison, moi je suis là. Ok, parce que tu dis que tu avais une page. Moi, je suis même prêt à l'offrir tout ce qu'il veut. Ok. Même ses habits sont chez moi ici. J'ai jamais dit viens chercher tes habits. Il a toutes ses affaires chez moi ici. Il m'a pas laissé. Mais il sait qu'il est manipulé. C'est pourquoi je n'ai pas envie de. Si tu veux prendre tes habits, il m'a pas laissé. Par rapport à ça, parce que je sais qu'il est manipulé. Et des gens. En plus, il a commencé des choses actuellement que je connaissais pas chez lui. Ok. Maintenant, Guadamaga, pour clore, est-ce qu'aujourd'hui, s'il se lève, il t'appelle pour aller récupérer sa part, est-ce qu'il a même besoin de se déplacer? Non, ça c'est tout simple, tu peux passer dans l'intérêt. Talon Pilon, tu permets, sinon on va couper ton micro. Guada. Il connaît toute mon équipe, il connaît tout chez moi, il connaît comment rien n'est fermé devant lui. Si tu es pour venir tout à l'heure ici, il y a besoin de le trouver ici, moi je n'ai pas de problème. Tu es prêt à lui restituer sa part? Une dernière. Mais j'ai déjà restitué. Ça fait la troisième personne qui essuie ma page. Ah, ok, d'accord. Il dit qu'il a restitué. Il est là avec un de ses managers, lui il va passer un mot aussi là. Si manager, tu permets, là, oui. Sidiki, il est là, oui. Il a la page. Oui. Mais ils veulent que je quitte la page définitivement. Or, okay. Que j'ai créé ça, c'est une page que je manage avec mes autres pages qui sont liées. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas quitter là. Si vous pouvez faire, moi, je ne publie rien. Moi, je n'ai rien à publier sur votre page. Oui. Je t'ai ajouté en tant que tout sur la page. Tu as accès à tout. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je quitte pour pas que je voie rien de talent. J'ai dit, je peux pas. Il faut aller créer une page si tu veux faire ça. Moi, j'ai rien à foutre de votre page là. Mais je peux pas supprimer d'une page que moi-même j'ai créée. Ça va pas ou quoi? Ok, on comprend le sujet. Tigan a une question pour toi, Gwada Maga. Gwada, salut. Tu comprends un peu? Oui, Tigan a une question pour toi là. Gwada, on va certainement boucler tout ça. Bonsoir. D'accord. Nous, on t'a écouté depuis que tu as commencé à parler. On t'a bien suivi. Si je comprends bien, les liens se resserrent jusque là parce que tu dis que tu parles avec sa maman, il a ton numéro, il connaît ton domicile, oui, tout ça. Et tu l'as. J'ai pas encore fini. Tu l'as dit tout à l'heure que tu comptes que c'est pas sur les réseaux ni à la radio que tu vas régler le problème. Comment tu comptes alors régler le problème? On veut connaître ta stratégie de ça. Moi, pour moi, c'est pas un problème en fait. Je n'ai aucun problème. Il parle de page. Moi, j'ai quoi à foutre? Moi, j'ai une page D. C'est une page qui peut nourrir 10 fois sa page. Ok, maintenant, Gwada. Je ne cherche pas une page. Moi, je te dis à son manager, si vous voulez que je quitte sous sa page, faites avec un peu de respect, mais pas comme ça. J'ai une page que j'ai créée, que j'ai nourrie, que j'ai offert à lui. Ok, je vous ai ajouté à l'administrateur. Je peux te moyer la partie. Je peux te moyer la partie. On n'a pas parlé à l'administrateur. On n'a pas parlé à lui. Talon, attends. On n'a pas parlé à lui. Il m'a dit, je l'ai demandé ici. Désolé. Gwada Maga. Gwada, s'il te plaît. Talon. Attends. Oh là là, on l'a perdu. On l'a perdu, malheureusement. Il est parti. Si on pouvait le rappeler après pour dire que Talon, puis il aura son micro qui est fermé, puis pour qu'il puisse. En tout cas, nous donner tous ces détails. Alors, à l'entendre, on va revenir dans ce studio avec nos invités, avec les principaux acteurs concernés. Talon Pilo et son manager Sidiki. Il dit, tu l'as écouté, on l'a écouté ensemble. Bien sûr, il dit qu'il est prêt à restituer la page à Talon Pilo. Quoique, c'est lui qui l'a créée. C'était une page qui avait une autre dénomination. France Club Gwada. Mmh. On est d'accord que lorsqu'il a commencé à travailler avec Talon, il l'a renommé en mettant Talon Pilo le maximum. On est d'accord. Qu'il est prêt à restituer, mais avec du respect. Mais si vous décidez carrément de lui retirer, c'est quelque chose qu'il a. C'est comme si tu mets au monde un enfant et qu'on veut te retirer tous tes droits sur la personne. Ça va être très compliqué. C'est pas comme ça. Si vous partez pas avec du tact et de la conciliation, ça va être très compliqué. Maintenant, on veut t'écouter aussi, Sidiki. Oui. Ce que Gwada vient de dire, c'est de la propagande. Ok. C'est parce que nous sommes à la radio, nous sommes écoutés par les fans. Ok. Gwada ne peut pas me dire que moi, je ne l'ai pas abordé avec respect. Okay. Au début, quand je suis parti chez Talon avec Gwada pour me le présenter, oui. Pour me présenter, je vais dire en tant que manager, son nouveau manager, oui.
Guada, il me dit quoi? De faire une vidéo live tout à l'heure pour se laver complètement la main dedans. Il me dit, non, moi, si t'es prêt, on fait une vidéo live tout à l'heure. Je te présente au grand public en tant que nouveau manager de talent. Et puis, je passe, hein, c'est ça. Okay. Mais je lui ai dit, non, Guada, normalement, ta relation avec Talon, ça ne doit pas se passer comme ça. Logiquement. Ça ne doit pas, ça doit pas se passer comme ça. Oui. Talon, c'est toi-même qui as dit à Talon que tu ne veux plus rien avoir avec, à faire avec lui, d'aller chercher son manager. Okay. Il est venu, il m'a cherché. Je n'ai pas cherché Talon. Guada, il est parti chercher Talon. Flo Flo, il est parti chercher Talon. Moi, je ne suis pas allé chercher Talon. Talon, il est venu me chercher. Il m'a dit, je veux que tu sois mon manager dorénavant. On va parler dans le micro, oui. Je veux que tu sois mon manager dorénavant. Oui. Je dis, moi, il n'y a pas de problème. Mais si je dois être ton manager, il faut que ça soit vu déjà au grand public que je suis ton manager. Pas pour le buzz, non, non, non. Mais parce qu'il m'a fait comprendre que ce Guada est en train de profiter derrière son dos. Oui. Et ce n'est pas normal, ça. Okay. En quoi il est en train de profiter de bon, je il a parlé des cachets tout à l'heure, les tournées, les invitations dans les événements. Okay. D'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vais finir. Oui, vas-y. J'ai dit à Guada, j'ai dit, ce que je préfère moi, c'est de faire une passation de service tranquillement, sans problème, sans querelle. Guada me dit que je ne l'ai pas respecté. Guada, il ne se respecte pas en disant ça. Si moi, j'écoute ça. Parce que moi, j'ai appelé Guada au téléphone, il a injurié. Je lui ai dit, mais Guada, tu parles avec quelqu'un qui peut... Genre, tu parles avec ton petit frère, tu ne dois pas injurier au téléphone avec moi. Guada me dit que je ne le respecte pas. Lui, au contraire, il ne m'a pas respecté. Je le respecte. Je suis allé chez Guada pour la page 3 fois. Voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, manager, je ne peux pas céder la page comme ça. Je vais te mettre en tant qu'administrateur pour le moment et on verra la suite si je vais céder totalement la page. Je dis, Guada, d'abord, tu ne peux pas me mettre au test. Tu n'as pas les fonctions requises pour me mettre au test. Talon dit que je suis son manager. Il veut que je gère sa page. Et s'il dit que la page là, c'était une page de fans club qu'il a modifié, renommé Talon Pilon, moi je ne comprends pas. C'est de l'exploitation pure et simple. L'artiste a demandé de créer une page pour lui. S'il te demande de créer une page pour lui, est-ce que tu as le droit de renommer une page fans club et mettre là-bas Talon Pilon? C'est là-bas toute la magouille. D'accord. Donc c'est de la pure propagande. Tout ce qu'il vient de dire, c'est de la propagande. J'ai marché derrière, je suis allé chez lui avec Talon plus de 2 ou 3 fois. Alors, il dit que Talon était tout à l'heure chez lui pour, il est en train pour de la vidéo. Ça fait 2 mois avant qu'on vienne ici. Il dit tout à l'heure. Il dit tout aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas de respect. Il dit tout à l'heure que Talon était chez lui pour la vidéo, pour le challenge. Mais si mon conscient pouvait rappeler Guada pour voir si nous. C'est de la Rappen Caliente peut être un conciliateur de ce problème-là. Et puis, c'est ça le problème surtout. Moi, on ne veut pas envenimer. Si moi, je l'appelle. Je pense que le gars puisse décrocher. Si on pouvait. On va essayer de vraiment de voir dans la vidéo. Il ne parle pas avec ma maman. Je vous dis la vérité. Il ne parle pas. Ma soeur vient de décéder. Je l'ai appelé. D'accord. Il n'est pas parti là. Il n'est pas parti. J'ai témoigné mes oncles, ma jumelle. Je l'ai témoigné, je l'ai appelé. Tu as vu quand Guada n'est pas venu. Ok. Vous voyez, ma soeur paix à son âme. Amen. Ok. Amen. Maintenant, Lala, tu n'es plus en collaboration de travail artistique avec lui, c'est ça? Depuis qu'il a commencé ses voyages, moi, mes comédies ont cassé. Il me dit que les Mansou et les choses que je n'ai que laisser cesser de partir là-bas quoi. On n'a qu'à rester là-bas, on va faire le contrat, il va me faire loger. Ça trouverait, les gens m'appelaient, ceux qu'ils connaissent quoi, je viens pour la boutique publicité à Néné, avec les autres boutiques aussi, vous voyez, avec l'ambiance boutique Shida, vous voyez. Donc j'étais comme ça, mais tout s'est commencé où? Je le demandais, Guada, moi, côté familial, je suis seul. Ce n'est pas réglé. Moi, je veux connaître aujourd'hui, il y a combien pour moi? Que je n'ai pas le droit de le demander, Guada, je ne suis pas logé. Ma femme ne peut pas venir chez toi. Ok. Vous voyez? Oui. Je n'ai pas le droit d'envoyer une fille chez lui. D'accord. J'étais là-bas, enfermé. Entre les gens que je ne connais pas, on est tous les gens. D'accord. Vous voyez, Guada me dit de l'aider. C'est un handicap vient. Je l'ai aidé. Il y avait l'amour, mais aujourd'hui n'est pas l'amour.
Pourquoi lui ne donne pas il ira secret ton goût, ta propre secret ira sur Boréi là. D'accord. Mbola singe n'a perdu ma page là. Mbola friande n'a perdu ma page là. Pengi sera ne fait ma n'a perdu ma page là. Penya wina la ba ka fanyina da. Wada na ran na bari, il n'a même pas fait demi. C'est quoi? Plus que ma mère, plus que mon père. Alors on a compris. Faut c'est mon style, c'est moi qui a créé. Na yomba yo, qui a créé pour moi? C'est toi qui l'a créé. Vous m'avez vu avec Wada à la net. Il est venu me chercher parce qu'il voyait les gens sur ma page. D'accord. Mais Combien de personnes sur ma page? Il n'a qu'à me donner ma page. Doumbouya, vous êtes témoin, la force spéciale qu'on a créé. Je suis là aujourd'hui. Wada n'a qu'à me donner ma page. Pardon. Non, mais que il y avait l'amour, mais aujourd'hui il n'y a pas l'amour. Vous voulez qu'on se tue ou quoi? Talon, non, on va pas en arriver là quand même. Il faudrait qu'il y ait le contrôle émotionnel. C'est un sujet qui est. J'ai besoin d'un avocat. Parce que ça va cesser. Ça va pas atteindre là-bas, on n'espère pas que ça atteigne ce niveau-là. Pas, magnifique. Ok, maintenant si tu permets, Maraga Sidiki. Je vais compléter avec. Il dit qu'il a une page qui peut nourrir 4 fois la page de Talon. Non, là, mais, on va parler. Mais ça se voit pas. Là. D'abord, je vais appuyer quelque chose. Oui. Ça va directement dans le centre. On veut des faits concrets. Ça se voit pas. Ça se voit pas parce que il a plus de partage de sa page sur la page de Talon que Talon en question. Ça n'a pas de sens. Tu as une page de 800 ou je ne sais combien de 1000 abonnés. Tu partages tes trucs sur ton contenu sur une page de 80 ou de 84 000 abonnés, mais ça n'a pas de sens. Okay. Ta page la a page peut-être de... 800 000 abonnés. La page de lui, sa page, quiconque m'a fait donner de l'argent sur ma page, je n'ai pas compris. C'est tout le monde. Okay. On va clore cette partie, voilà, si vous permettez. Calum connaît mon histoire. Il y a une autre session live aussi. Calum connaît mon histoire. Ce qu'on va faire, alors, oui. là. Calum connaît mon histoire. Il m'a pris là-bas dans la déviergement, sans au courant de Froc, parce que je suis monsieur Froc avec Gattuso, qu'ils ont. Rencontrer l'argent et de m'acheter la guitare. Okay. D'accord. Mais là, ce que moi je veux. Et Gattuso. Talon. C'est pas lui qui m'a. Aujourd'hui, oui. Guadamaga, c'est vrai qu'au départ, toi, tu n'étais pas là. Mm-hmm. Il dit que c'est une page de lui qu'il a renommée pour mettre Talon Pilon. Toi, tu n'étais pas là. On est d'accord. Mm-hmm. Ça s'est passé entre eux. Et il n'aimerait pas quitter définitivement la page. Si vous souhaitez à ce qu'il quitte définitivement, qu'il lui ne veut pas, je pense qu'il faudrait dans un premier temps que vous rencontriez à nouveau, trouver des personnes qui étaient là au début de cette collaboration. Allez vers lui et expliquer. S'il est d'accord, ok. S'il n'est pas d'accord, je pense que le mieux, c'est de ne pas aller. S'il ne donne pas la page, il n'a qu'à supprimer. Il n'a qu'à supprimer lui-même. On va clore ça. Il y a mes trois projets avec lui. Mon passeport, avec lui. Il n'a qu'à tout donner. Non, mais il dit d'aller à la maison. J'en viens. On a souffri d'aller là-bas. Vous ne connaissez pas. C'est un sujet profond. Moi, j'ai pas de voiture. Moi, j'ai une voiture. Non. Hein? Il dit qu'il est. Tu as son numéro, tu peux aller chez lui. Succès, je ne veux pas l'appeler. D'accord. Maraga Sidiki, pour clore, vite fait. Voilà. Pour clore, c'est moi. Sujet profond. Je dis, je suis peut-être managé de talent. Oui. Officiellement managé de talent aujourd'hui. Oui. Donc, je marche vraiment avec du professionnalisme. Quoi. Ok. Il m'a parlé, il m'a posé le cas. C'était tellement tendu. Grâce à Sidiki aujourd'hui, on parle de ça tranquillement comme ça. Grâce à Sidiki aujourd'hui, Guada appelle pour dire encore d'aller chez lui. J'ai été chez lui une fois, deux fois, trois fois. Bloqué ton numéro. Il a bloqué mon numéro à cause de Talon. Il a débloqué. Vu qu'il avait dit à Talon, dis à Sidiki de m'appeler. Talon a dit non, tu as son numéro, appelle-le. C'est à ce moment qu'il a débloqué mon numéro. Ok. Guada me... Non, mais quand même, je dis c'est de la propre. C'est de la propagande. D'accord. Alors, on espère que ça. Je connais tous les contrats, les prix. Billahi Talai, Billahi, je ne connais rien. D'accord. Il y a des propos divergents. Il y a Guada qui dit sa version des faits. Il y a eux aussi qui disent leur version. Non, je pense que là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet profond. C'est un sujet qui est très, très, très caduque. Je m'excuse pour quelques secondes. Et du moment où on se déplace, on part le voir chez lui,
on n'arrive pas à trouver une solution. Allez. Faites-nous signe, nous on est témoins là. Qu'est-ce qu'il nous envoie là-bas aussi pour essayer de redonner la page. Okay, ça, il parle c'était... de respect, il ne m'a pas ça, respecté, moi à... je l'ai respecté. Non, ça c'est antérieur à cette émission. Voilà. L'émission qui s'est produite là, on a essayé d'entendre Guadamaga sur le fait qu'il refuse de remettre la page de Talon Pilon à sa nouvelle team. On est d'accord. Maintenant... Nous, on l'a appelé. Il a donné ses faits. Nous, on ne savait même pas que c'est une page qu'il avait renommée. C'est une page qui avait une autre appellation, qu'il a renommée. Ça, on ne le savait pas. Maintenant, si cela s'avère ainsi, il est quand même en plein droit de dire que la page l'appartient. Peut-être ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour se laver complètement les mains de cela, c'est de changer le nom de la page. Il enlève carrément Talon Pilon. Il remet le nom initial que la page a porté depuis tout sa création. Tout à fait. Et on est d'accord sur ça. Et s'expliquer sur le fait qu'il a modifié la page, sa page Fans Club Guadamaga en Talon Pilon au lieu de créer une nouvelle page pour Talon Pilon. C'est ce que je dis. On est en l'antenne là quand même. Oui. C'est ce que je dis en fait. En ce moment, toi tu n'étais pas là. Ça s'est passé entre eux. Donc ces détails, c'est antérieur à tout ce qu'on est en train de vivre maintenant là. C'est antérieur à cela. C'est pour cela que je dis, si toutefois il est catégorique que cela appartient, le mieux c'est de changer le nom carrément, enlever Talon Pilon. Vu que c'est lui qui a créé, il décide de le maintenir, il enlève l'appellation Talon Pilon, il remet le nom initial que la page a porté depuis sa création. Ben, moi, je ne souhaite vraiment pas qu'on en arrive là. Guada va essayer de prendre de la hauteur, de penser que la page là, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa carrière, et remettre ça à Talon Pilon. Voilà. Vu que sa page nourrit déjà 4 fois la page. Non, on va pas rentrer dans ces détails. On va aller dans l'autre session. Visiteurs, passé de 38 minutes, vous êtes dans Rap Caliente. On était sur le gros déballage que Talon Pilon avait sur le cœur, en tout cas vis-à-vis de son ex-collaborateur Guadamaga, le Guadamaga Sixland, bien sûr. Allez, on a suivi ça avec intérêt. Comment je vais dire ça ? Amaza, attentionné, il écoutait, tranquille, pépère. Peut-être que tu as un ou deux mots peut-être à placer sur ça en tant qu'artiste. Moi, ce que je peux leur dire, parce que je les ai vus ensemble, c'est deux personnes que j'ai rencontrées plusieurs fois. Oui. Et au début, pour sa première intervention, c'était presque explicite qu'il était là, il défendait. Ouais. Son entretien avec la collaboration de Guada est vraiment. Nous, je crois qu'on peut-être nous on peut prendre ça pour une colère, pour que chacun de son côté essaye de voir le mieux pour tout le monde, tu vois. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de blessés du moment où il y a eu des jours joyeux. Ouais. Ben voilà. Ces moments, ça arrive qu'on ne se comprenne pas sur des sujets donnés, mais que ça part dans la compréhension, dans la hauteur et dans l'acceptation. Je ne suis pas à Conakry. Allez, let's go. Chante-nous ça, Talon Pilon. Aragéré. Let's go. Il a pris sa guitare, ce qui veut dire, voilà, il veut passer à autre chose. Let's go. Mais tu n'as pas aimé. Maman, désolé. Tu n'as pas aimé. Asta Sekio, nouvel jean. Nayomba, petit n'a pas aimé. Ton beau Sophie, petit n'a pas aimé. Ils ont de vieux talents. Petit n'a pas aimé. Manaro, petit n'a pas aimé. Rafala, Kanka. Mavala, Mamu, Mavala, Yomu, Mavala, Kinia Burkaria Koya. Petit n'a pas aimé. Mais, aimé. Ton best vivre, petit n'a pas aimé. Ils ont des vieux talons, petit n'a pas aimé. Alors, où est ta voiture? Je n'ai même pas de moto et iPhone, petit n'a pas aimé. Ah, madame, mime pas, pas, petit n'a pas aimé. Ah, Emmanuel Maya, le piqué, le fils de Thérèse, le malheur alcoolique. Mais tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé. Ah, mon Brésil,
mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Manatalon. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Radio Djuma. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Rap Caliente. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Aider quelqu'un, les promesses n'ont pas réalisé. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Je dormais à la morgue. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Tu n'es pas mon père et ma mère. Mais tu n'as pas aimé. Mais tu n'as pas aimé. Ton buzz fut fait, moi. Mais tu n'as pas aimé. Amano maman, amano maman, amano ambiance non non. Mais tu n'as pas aimé. Allez, un autre, un dernier, puis le reste là c'est Amaza qui va clore. On sent des pics là. Ok, on va aller avec Aïe Malumaya. Naya Maya. Mabu village na na zomo. Wonka da kamaga babe. Linda bidangala. Mama jankala. Gedo ni mena bare. Talon est son nouvel manager. Biringa faya bondal sol. Mirima, Bayabandazan. Ah, qui a provoqué Koya? Non, j'ai pas provoqué. Nous, à Manéga, à la fin de Koyama. Aujourd'hui, grâce à Dumbuya, grâce à l'armée, grâce à la CNRD, ouais, nous, on est rentré dans la goudron avec la l'électricité à rentrer. La bonne tournée. Allez, c'était Talon Pilon pour son show. Pour son show radio dans la peine caliente, on en live, on en direct. T'as aimé, t'as kiffé, partage ça et passe le message à ton entourage. Talon Pilon. Alors, maintenant là, ce qu'on va faire, moi j'ai vu deux pages sur la toile. Il y a Talon Pilon le maximum et puis il y a Talon Pilon. Talon Pilon là, l'autre page, c'est pour qui? Bon, c'est ce qu'il disait déjà. Le premier manager a saboté la page. Le voilà. Deuxième et ça parce vient que l'autre page où c'est mis Talon Pilon, je crois que c'est 2000 abonnés, 2000 et quelques, et l'autre à 38 000. Talon Pilon le maximum. C'est celui-là, Guadamagagère. Non, l'officiel. Non, Talon Pilon officiel. Officiel, qui a combien de pages et combien d'abonnés? 94 000. 94 000. Ok, d'accord. D'accord. Ok, on espère que tout cela soit vraiment résolu et tout. Allez, Amaza Yassa. Simon Kahn, Amaza s'impatiente. Tu peux le réveiller tranquille avec cet autre instrument. On enlève, on en direct avec Amaza Yassa from Amatala. On va quitter le rap, venir dans le love. Dans le love. Yeah. On est tout à toi. Allez, écoute ça. Money. L'homme est à la maison. Yaye na mini fami torofe, bara woye tulima mefe, inana ukono fe agba fena. Agba fena. Bari khantay falakhne biringa yigitaru na gambonya na run na sweira tunga sei rum ibara bugu bugi fatemato bari khamek begbe bari mato ibara to mirik begbe famenu moto anu nantoroma antoroma antoroma ini maso khamendera yae na nkulema. Antoroma, Antoroma, ah, Afidi Gal. Do, 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 do. Alabe, inagatari dedo. Do, 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 do. Alabe. Inagatari de don adon adon, on chante ensemble. Adon 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 mané. Adon adon bidi rafé. Adon adon kori tundi. Adon adon alabe na madon. Adon
il ne me désade, il ne me reçoit, il ne bat Anun teme di maloni na ganani, maloni na ganani. Na buki findi rita nana, na findi rita nana garara. Imatu ya igarik big benani la mantana, mara fani nani nanko, sanko na roli mu mare ni suri belera. Ala be masobi ya baborira ya tintana barira fantama ntamu farire na sedi ramforora ya tagi matoka nsambara ngwasa ala be kankambe ma be ma be be ma be ma be ala be du 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 Alabe adu, eh adu mane, oh anagadu mbe, alabe wade wade, adu mane, adu adu mane, adu adu. Sensei sur les lancettes, Amazaya ça from Amatala. Alors cette question là il faut que je la pose. Comment se porte Amatala aujourd'hui? Super bien, super okay, bien. Ok, parce que nous en Guinée dès qu'on voit des individualités dans un groupe, on se dit que c'est fini. Bien, après c'est un peu ça, je crois que on s'est donné la hauteur de comprendre des choses pour le faire comprendre aux autres, tu vois, et que personne pense à rien, et on est encore plus solide qu'on ne l'était parce qu'on sait que la situation est très compliquée pour certains en perception. C'est ça. Une question? Oui, vas-y. La musique que tu viens à peine de nous donner là, c'est en mode comment? Enregistrement d'abord, Robert? Mais vas-y, c'est juste des freestyles. C'est pour nous, il a donné ça. C'est pour les auditeurs. Mais le son là est malade. C'est bien, toi aussi. C'est toujours la bonne chaleur, la bonne énergie. C'est le love qu'il a pour le rap en caliente. C'est le love qu'il a pour Talon Peter. Le love, d'ailleurs, les auditeurs. Les auditeurs. Vraiment, n'est-ce pas, Talon? Notre travail, c'est pas facile. Mais c'est l'amour qui fait la musique. N'est-ce pas? L'amour qui fait la musique. L'instrument. En tant que tu as faim, tu ne peux pas sentir, parce qu'en tant que tu touches ça, ça te caresse, ça donne quelque chose, quoi. Ok, d'accord. Qui a une énergie. Dylan ça te caresse, ça caresse. Ça caresse. Ça touche les sensibilités. C'est Talon Pilon qui parle, on est 18h déjà, passé de Oui, je dois parler en français, parce que mon grand-père s'appelle Fonny Français. Depuis la colonie parentée, les gens qui ont été la machine buileur. Tu connais la machine buileur, gratteur? Non, je gratteur, connais pas. La loutre qu'ils ont découvert. Les tracteurs ou les cons. Voilà. Okay, d'accord. Ils voulaient dire tracteurs. Les tracteurs. Merci. Okay, voilà. Okay. Donc, ils conduisent là, ça. D'accord. Donc, avec la blague. Ce que la villageoise. D'accord. Talon Pilon. Émission Barayon. Monsieur Fanebe, c'est n'a pas la même. Bon, si, à l'hésitative, Naranou, Doumbou est président. Parce que le travail, on doit l'aimer. D'accord. Vous voyez, notre propre armée ne peut pas nous faire décéder. Ok. Vous voyez, donc moi, depuis dans tous l'armée de la Guinée, ou bien dans tous des artistes guinéennes, c'est moi le premier qui a senti. Ça veut dire, allez-y, la force. Attends. Motivation. Si tu permets, le re, ça veut dire allons-y. Allons-y, même si tu pleures. Même si tu pleures, faut pleurer, mais ça te veut dire force, tu as la rage. L'émission est finie. Campagne. Dernier mot. Dernier mot, Madagascar, avant de se quitter. Moi, je pense que, en ce qui concerne la page, parce que c'est toujours ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui, l'Internet, disons, a dépassé ça. C'est pas un problème de créer une nouvelle page ou une nouvelle chaîne de distribution. On l'a vu tout à l'heure avec notre frère Amaza. Il y a déjà sa page, son compte YouTube, sa chaîne YouTube, je vais dire, n'a même pas presque 20 000 abonnés. À 20 000, n'est-ce pas? À 20 000, La dernière fois que j'avais vu, n'avait pas 20 000, mais j'étais impressionné de voir le nombre de vues. Ok, rapidement. Parce que la qualité de l'ouvrier. Ce qui importe, c'est le travail. Vraiment, les fans, c'est ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi, je te dirais bien, parce qu'après, il y a beaucoup de tenue et il y a beaucoup d'intelligence dans ce que tu proposes. Le mien, la prudence. La prudence, ça aide. Faut garder la hauteur parce que
l'artiste, c'est normal qu'il soit dans l'agitation, c'est un gros créateur. Mm-hmm. Il est des fois spontané. Mais voilà, le manager, il a la hauteur parce qu'il surveille son argent. Exactement. Et je voudrais bien que tu partes, Molo, je sais que tu pourras bien le faire pour pas que ça dérape. Parce qu'après, moi, je ne veux pas comprendre. Ce ménage, j'avais compris ça. Je profite de ça maintenant là pour clore avec toi, Amazar. Dernier mot, peut-être pour. Dernier mot, le goût est mélangé. Merci à la famille. Mais tu n'as pas aimé. Et tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé, il faut rien. Allez, allez-y, Stroumé, ça fort. Le son est encore disponible. Le goût est mélangé. Tout est mélangé là-bas. Allez-y, déguster. Le son, il est fort, il est lourd. Voilà, on va Stroumé, ça fort. Dans le pilon aussi, à sortir. Tu n'as pas aimé. Est officiel sur YouTube depuis hier. Ah, depuis hier, ok. Moi, je l'ai hier soir. Je pensais que ce n'était pas dispo. Allez, ça aussi, c'est disponible. Allons-y, Stroumé, ça fort. Vous allez aimer. Que tu n'as pas aimé. Simon Kam, mon ami, était à la régie et tout. Et puis, Moriketa était dans un premier temps avec nous. Merci à tout le monde. Merci à Sergio. Merci Tigane, on se capte le samedi prochain. Le samedi prochain, oui. Voilà. Allez la famille, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. C'était Kekoura et toute sa team pour vous. Au revoir.